Et re-YouTube, te souviens-tu dans la vidéo d'avant, on s'était dit que potentiellement on irait chercher l'apparence du médecin de peste. Et bah, du coup, c'est ce qu'on va faire maintenant. Apparemment, il faut finir cette quête. Ça se trouve, elle est très simple à faire. Ça se trouve, elle va nous prendre 3 vidéos, on sait pas. Recherche sur le terrain. C'est parti. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? L'homme qui est mort avant de se transformer en une igno créature vivait dans le nord de Salvation Arbor sur Moulin Road. Mais ça, c'est un truc qu'on a chopé il y a très très longtemps comme quête, non? Entre X-Lane et Benevolent Tides Road, le docteur Grant de l'hôpital Dogmans m'a demandé de découvrir ce qui s'est passé. Le docteur Grant m'a demandé d'aller voir un magasin situé entre... Ah d'accord, faut aller dans des endroits... Et à mon avis, faut tout niquer, quoi. Faut tout défoncer. Je pense qu'en étudiant ces créatures, leur habitat ainsi que leur attitude de vie pour étudier... Non, c'est ça. Donc déjà, on a deux endroits où... Dépêchez-vous, Reed. Nous pouvons encore sauver cette ville. Non, je vais chercher un skin. Désolé. J'ai pas le temps. Ah, il m'a pas. À voir les plantes, cette photo a été prise quelque part en Amérique du Sud. Yes. Bon, bah... je suis heureux de le savoir. Je cherche des munitions, parce que là, je vais en avoir besoin, pas mal. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de munitions. Ce qui ne m'enjaille pas spécialement, ça veut dire qu'on s'approche de la fin du jeu et aussi de la vie de mon personnage, très certainement. D'accord, il tousse très fort et du sang. Alors, Xanta Wistika Tumireta Tutipashikamal, abrégé Xanta. Xantia ? Ouais, c'est mieux d'appeler une Xantia, hein, que... Xanta Wistika Tumatimareta Tutipashikamal. Oui. Ça a l'air bien ce que tu dis. Alors, la ligne entre Ilan, c'est où? Salvation Arbor. Donc déjà. Faut qu'on se casse d'ici. Et à droite. Faites entendre votre voix en votant. C'est Mythologic 6, Requiem, je pense que ça peut te faire changer d'avis sur justement un autre univers possible, loin du vampire mainstream. Mais même sur d'autres trucs, d'autres visions du vampire, j'aime, peut-être c'est le mot vampire qui me fait chier en fait. C'est le mot vampire. Mais oui, je connais d'autres lore où le vampire en question n'est pas un mec des Carpates, je sais pas quoi là. C'est pas le duc de machin qui se change la nuit, etc. Non. Je connais d'autres lore et à chaque fois je trouve ça chiant à mourir, mais voilà. Je dois faire vraiment gueule. Xantia ou Citroën selon les légendes. Ça me fait penser aux 2 minutes du peuple sur l'aéroport. Ouais, je suis pas assez calé sur les 2 minutes du peuple malheureusement. C'est derrière celle-là. Je reconnais pas du tout, je suis obligé d'ouvrir la map à chaque fois les gars. Poisson rouge man un peu. Hein. Alors nous avons machin Salvation Arbor, c'est là hein, c'est là. Moorland Road, entre X-Lane et Benevolent Tides Road. Moorland, X et Benevolent. Moorland, ok. Riggs, X. Et Benevolent. Ah d'accord, c'est en plein... D'accord, c'est en plein milieu d'un merdier là-bas. Bon, on va y être très rapidement au moins, ça c'est cool. Juste à côté. Mais ouais, mais le... Attends, c'est qui m'a dit ça? Mets la vidéo si tu veux. Mets la vidéo sur Discord, hein. Je sais pas qui m'a parlé de la vidéo tout à l'heure. Attends, j'arrive pas. Putain, je suis perdu. L'uptime, c'est le timer à côté des viewers. Non, je parlais de l'uptime du live. Normalement, ça balance un uptime. Du live depuis quand je suis en ligne. Choisissez avec sagesse. Pierce et l'homme. Alors, nous avons la poudre à canon. Est-ce qu'on a la... Oui, on a la cordite. Parfait, ça. Aïe. J'ai encore un point. Putain, mais c'est incroyable le nombre de points qu'on se surgave. Donc là, je suis full vitalité. C'est bien. Donc, on a la précision avec les mitraillettes.
Ouais. Améliore rayon et les dégâts du fusil à pompe. Ouais, ça j'aime bien, ça j'aime bien. Moi je vais partir là-dessus plutôt. Permet de porter 4 cartouches de fusil à pompe, c'est bien aussi. Les dégâts. Les dégâts c'est plus important. Il y a besoin de moins de balles. C'est juste là. Là. Ok, avec quelle arme je vais leur faire leur fête. Il veut pas se baisser. Super, je veux être discret, je peux pas. Mais pourquoi il se relève? Mais c'est quoi ça? Je peux le buter ou pas? Apparemment. Il y en a un autre. Je viens de le toucher, d'habitude il m'en faut beaucoup plus. Ah ouais. Ça essaie d'être fufu, bravo, bravo, belle mentalité. À moi le skin! T'entends ça YouTube? Chez les vampires chez Lovecraft, t'en as trois types. Un humain ressemblant au vampire des légendes classiques mais extrêmement puissant et généralement lié à un extérieur. Ok. Les vampires stellaires, des créatures ignobles vampirisant la vie sur, sur des planètes. D'accord. Moi je suis un vampire stellaire. Le rêve de tous les gamins. Moi aussi j'en voulais un à l'époque. Dac. Alors on a... On a le Spider Sense là qui s'active. Ah, elle se fait vomir dessus. C'est son mari qui rentre un petit peu tard, un petit peu trop. Tu vois, Bloodbringer, faut pas revenir comme ça de soirée. Tu vois ce qui peut se passer. Je te le dirai quand t'as une copine, hein, pense-y. Hein. Des bisous. Quoi? Putain mais... Oh je me suis fait avoir comme un bleu. J'ai tiré sur une onde de merde. J'ai perdu une... Ça m'a tellement fait flipper. Putain ça marche bien hein. Mon perso qui devient fou vraiment. Et du coup moi aussi avec. Je trouve ça génial ici les gars. C'est tellement méta. Mon perso devient fou donc moi aussi. Et pour le coup ça marche quoi. Ça fonctionne vraiment. J'ai perdu... Une balle. Ouais, je sais que tu kiffes ça. Big up à ceux qui ont des écouteurs. Big up. Franchement, à tous mes bros qui ont des écouteurs. Olé. Oh, jeu de jambes. Hop. Oh, nul, fois 1000. C'est 3 balles seulement. 3 balles dans ces trucs là. Donc ça vaut pas le coup d'utiliser une balle de fusil pour ça, je le saurais. Je me suis regardé l'aéroport, quoi? Ah, tu t'es regardé, oui d'accord, le truc de... La substance gluante est encore fraîche. Le docteur Grant aimerait sûrement voir ça. Si tu vois ce que je veux dire.
Ah, attends. Peut-être prendre une photo, non, c'est pas ça qui m'a suggéré. Je sais pas. Ce plat a été préparé il y a une bonne semaine au moins. Qu'est-ce que j'ai loupé ici? C'est bon, j'ai tout? Non, j'ai pas du tout tout. J'ai pas du tout tout. Pas du tout tout, pas du tout tout. La substance gluante est encore fraîche. Le docteur Grant aimerait sûrement voir ça. Mais fais un truc. Ramène-en un bout, non? Je sais pas. Non, au cas où. Donc, il me manque un truc, mais je sais pas quoi. Ce plat a été préparé il y a une bonne semaine au moins. Fais confiance à la mycose. Je sais pas ce que j'ai loupé comme indice là. Et on va tourner pendant 20 ans encore. Ah! Ok. Un petit bateau. Le rêve de tous les gamins. Moi aussi j'en voulais un à l'époque. Ouais, d'accord, mais sinon... Je pense que... Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Je pense que j'ai vraiment loupé un truc. Il y a juste un détail que j'ai pas chopé, du coup ça me bloque. Alors attends, refaisons ça calmement. Des fois c'est genre un petit truc, genre... à côté de ce que j'ai déjà regardé. Genre peut-être qu'il y a ça, et genre juste à côté, une chaise, la chaise tombée, ou en dessous... Ce plat a été préparé il y a une bonne semaine au moins. La substance gluante est encore fraîche. Oui. Le docteur Grant aimerait sûrement voir ça. Putain. Qu'est-ce qui se putain de passe? Y'a rien en fait, là y'a rien. Alors, c'est peut-être en bas alors, parce que là je vois vraiment rien. Genre vraiment, vraiment rien. Là, faut que je suive la substance gluante, y'a quoi là? Y'a un os, quand j'ai regardé, y'a rien. Là, d'accord, machin, bouffé. Je sais pas, j'ai dû oublier un truc en bas alors. Les cercueils, ouais, peut-être. Attends, j'ai déjà regardé dedans. Hein. Ah! Mais non! Le rêve de tous les gamins. Moi aussi, j'en voulais. Ouais. Putain. Un jour, le secret de Lisa. Encore des cauchemars. C'est écrit comme ça, cauchemar? Sérieux? C'est pas CAU? C'est pas CAU ARD? Encore des. Ah oui, d'accord, non. J'ai même encore, c'est écrit à la ZUB. Putain, autant pour moi. L'illettrisme a encore frappé cette ville. La chose sous le sol gratte et gratte. Je l'ai dit à maman, mais elle a dit que c'était des rats. Papa a grondé John parce qu'il a joué avec les gluants près du trou, mais c'était pas lui. J'ai raconté à papa qu'il y a une chose qui vit dans la cave, il m'a puni aussi. J'ai vu la tête qui regardait dans le trou et j'ai pleuré. Ça sent la nuit, ça veut faire du mal à John et moi. Pourquoi papa et maman me croient pas? Me croivent pas. J'étais tellement fatigué de pas dormir que j'ai pas vu le trou.
Aujourd'hui, je me sens mort, j'ai mal au ventre, ma bouche est gluante. Maman et John ont mal aussi. J'en sens gratter. Gratte, gratte, gratte. Eh ben c'est bon, on a tout fini là, non? Dis-moi qu'on a tout fini. Putain, on n'a pas tout fini, donc j'ai encore loupé d'autres trucs. Ça se trouve, il faut que je monte maintenant que j'ai vu le... Putain, c'était évident pourtant, pourquoi je l'ai loupé celui-là? Ouais, faut vraiment avoir les yeux partout hein, quand on est détective, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Hein. Ah là là, ça gratte, elle a dit. Gritte, gritte, gratte. Alors du coup, maintenant, peut-être que ça a débloqué un truc en haut. Et ouais. Ah voilà, et voilà. Lisa, John, vous... Qu'est-ce qui m'arrive? Eh bien madame. Ok. Mon état n'a aucune importance, il faut que j'aille travailler, c'est compris? Ok, donc lui il s'est barré, tranquillou. Bah une heure. Merci. Il est temps de démêler tout ça. Merci mec. Il est temps de démêler tout ça. Donc là il vient de se faire dégobiller dessus. Là, j'ai envie de dire c'est le... Non. Mon état n'a aucune importance, il faut que j'aille travailler. Lisa, John, vous... Qu'est-ce qui m'arrive? Yes. Les bêtes se sont faufilées depuis le sous-sol une fois la nuit tombée et ont contaminé la famille. Après une courte période d'incubation, ils se sont transformés en monstres. Mais non, je t'engueule pas. Mais non, mais ça me fait plaisir. Bon, désolé si c'est... tu l'as pris comme ça, mais non, merci beaucoup. Comment tu vas? Tu bosses en ce moment, Ina? Je suis pas trop, je comprends pas... Je sais que tu fais des stages, puis après tu bosses, puis après machin, je comprends pas tout ce que tu fais. Je comprends pas... Ça va trop vite, ça va trop vite pour moi. Alors... Ok, donc ça c'est fait, le premier effet. Après, j'imagine qu'il va falloir aller filer tout ça à Grant. Dr. Grant m'a demandé d'aller voir un magasin situé au centre de Salvation Harbor sur Windham Street et Polaris Road. Alors, Windham Street, Polaris Road. Windham Street, ok. Polaris Road. Boum. La sortie est Porisset. Quelle malédiction a bien pu autant dévaster sa diction? Le québécoisme! Le québécoisme! C'est dur à prononcer le québécoisme aussi. Québécoisme. Non, 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 des bisous à tous mes potes québécois. Votre diction est sans pareil. Est extrêmement... fabuleuse. Extrêmement fabuleuse. Extrêmement. Hein? Au-dessus, il y a le soleil, à peu près. C'est cool. On ne juge pas, absolument pas. Love qui est de dos, dit bisous. Oh, on va pas passer par là. On ne passe pas par là. Ah oui, mais quand il y a marqué M comme ça, ça veut dire que c'est la merde. M comme merde, grosse merde. Si tu vas par là, tu meurs. C'est ça que ça veut dire. M comme mon Dieu. Vous avez un français magnifique, moi je dis. Ouais, voilà. Mais ouais, c'est ça. La même. Alors je suis technicien de poste de compteur électrique sur la région de l'ancienne Nord, mais cette semaine on m'avait envoyé sur Strasbourg. Sarrebourg, pardon. Là, c'est la ville de. Levez les yeux au ciel. Soyez astronomique. À la voyure. Astronomique, du coup. Je crois qu'il habite là-bas. Sarrebourg.
Et en plus, Sarrebourg, il est pas très loin de Strasbourg, non? C'est pas ça? C'était un peu un troll, le mec qui a trouvé le nom. Ouais. Mais justement, c'est ce que je dis, il habite à Sarrebourg et pas à Strasbourg. Du coup, ça te fait donc 3 heures aller-retour tous les jours et départ à 6h. Ah, mais c'est horrible ça, mec. 3 heures aller-retour. Oh, yo, 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 yo. Putain. 3 heures aller-retour. Attends, il y a une boutique. Une boutique. Men's Finest Clothing. Men's Finest Clothing, he said. Oh. Bon alors ça, on va arrêter tout de suite, on va arrêter les conneries. Sérieux, ça vous trigger la petite musique là? Tranquille. Putain, ils sont rapides! Oh, jolie celle-là! Oh, elle est trop belle! Beaucoup trop trop bien faite celle-là. Waouh. Je sais pas à quoi ça sert mais... Je l'ai pris dans mon Pokédex. Vraisemblablement, le gérant est revenu de son rendez-vous avec le docteur Grant et a préféré se traiter lui-même. Ah oui, d'accord. La petite seringue. Ah mais c'est de la musique, c'est ça, c'est le... Désolé, j'essaye, hein, mais je... Mes capacités de détective, ça, apparemment, voilà, je viens de trouver mes limites. Je ne peux pas arrêter le vinyle. Ce n'est pas possible. Je n'ai pas assez de points en dextérité. Zut. J'ai plus rien. Ok, mieux. Ouh. J'ai que dalle. Pardon. Oui, on fout la main dans le petit cercueil comme ça pour récupérer. On tâtonne. Ah, c'est une balle de fusil. Ah, oh non. C'est gluant. Ça bouge. Ça grouille même. On va passer une bonne soirée, je crois. Je doute qu'ils m'en disent beaucoup au sujet de ces monstres. Attends, c'était quoi l'autre jour qu'il avait sorti? Genre une punchline de qualité? C'était cosmique. Qu'est-ce qu'il avait sorti? Oh, genre, je remate la VOD pour ça, mais elle était parfaite de... Genre, c'était digne d'un début de NC, des experts Miami, quoi. Il manquait juste les lunettes, et puis vu la musique derrière, c'était fini. Je ne supporte plus de rester éveillé plus longtemps. Je ne peux pas les laisser m'emmener. Chaque fois que je les vois en rêve, elles apparaissent près de moi, me touchent avec leurs mains froides, peinard, me piquent avec leur queue. Il n'y a qu'un seul moyen d'en finir avec cette souffrance. Que Kai me pardonne. Kai, donc, c'est leur dieu. Mais je croyais que c'était le dieu aussi des cultistes. Quoi la musique, quoi? Il y a un truc qui avait pas pop, c'est ça, fils de... Mais what?
Mais reviens là. C'est vrai qu'on peut faire ça, à chaque fois j'oublie. Mais c'est moi qui les chasse pour une fois. Mais what? Sérieusement? Mais pourquoi? Il faut combien de balles sur celui-là? D'habitude ça les one shot plus ou moins. Putain, j'ai plus rien comme arme, c'est incroyable. Plus de munitions, c'est fini. Allez, c'est bourré de munitions là-dedans. Oui, bof. Hein, quoi? Comment ça, je perds de la santé mentale? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi je perds ma santé mentale? Allô? Il y a un truc là-bas qui me fait perdre ma... qui me rend pas bien. Sinon on développe ça. Attends, il y avait pas un truc pour crafter mieux? Confère 10% de chance de supplémentaire de garder vos matériaux quand vous fabriquez quelque chose. Ah, yes. Sinon, il y a charismatique ici. Double les objets reçus en récompense de quête. Ouais, mais c'est pas ça. De doubler les objets reçus en récompense de quête. Ah. En fait, si, ça peut être bien. Je vais faire ça, je pense. Mais là, on commence vraiment à être à court. C'est pas ouf. Yes. Ok. Oh là là, là. Ouais, j'ai une balle, yes. Alors, je sais pas ce qui se passe ici, mais en chute libre. En chute libre, la santé mentale. Je comprends pas. Attends, est-ce que j'ai tout, moi? Non, j'ai pas tout, il y a un truc que j'ai pas vu. Il y a un indice que j'ai pas chopé quelque part. Sûrement l'étage. Demi-écrémé, hein. Demi-écrémé, l'étage. D'accord. Je vais niquer ta mère avec ton truc, là. Ferme-la. C'est ça, là, la solution, ça se trouve, faut que je tire dedans. Ah. Ces taches de sang ont sans nul doute attiré les malbêtes. Ok. Nom du propriétaire du magasin. Les rêves sont revenus en force. Je sens ces choses me toucher, me frôler, s'approcher de ma chaleur humaine. Le docteur est peut-être un idiot obsédé par ses théories, mais qui d'autre peut m'aider? Je suis en train de devenir fou. En me réveillant aujourd'hui, l'une de ces créatures se trouvait sous ma couverture. Je l'ai battue au sol et écrasée jusqu'à ce qu'elle ne cesse de bouger. Mais ce n'était plus un rêve. C'était réel. Ni le café ni la cocaïne ne m'aident à rester éveillé. Que Kyle me vienne en aide. J'ai failli m'endormir deux fois. Elles sont apparues à nouveau. Aïe 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 aïe. Du coup on doit faire le... On doit faire le truc là machin, à faire apparaître je sais pas où. Non, y a pas besoin de faire le... Très bien, moi ouais, je me barre là. Il y a un prof qui est récupéré, donc c'est ça, on s'en fout. Bon, faut que j'aille voir le docteur Grant. Je ne supporte plus de rester éveillé plus longtemps, je ne peux pas me laisser emmener, d'accord. Et note du propriétaire, nanana. Donc il faut que j'aille voir le professeur. C'est où déjà? C'est là-bas? Département de médecine. Yes, a priori. Ça devrait être ça. Par contre, il n'y a pas de TP dans le coin, quoi. Un rail de coke, un café. C'est dans quoi ça? Ça me dit quelque chose. Le craft pourrait être mieux, ouais. Le craft pourrait être un petit peu mieux, mais en vrai là il est bien, c'est-à-dire qu'il est Manhattan de Kaboul. Ah putain, ouais, d'accord. Ah j'ai pas. Ouais, je vois même plus à quel moment. Maintenant que tu le dis, oui. Mais j'ai même pas le moment où il le chante, ça. Enfin, où il le chante.
tente de chanter, quoi. Une trace de coke, un café. Je me souviens pas du tout. Bonne nuit, Una. Merci encore. Malbet du rêve, comme ça fait penser au Moon Beast des mondes du rêve. Ok. Il suffit qui compte de battre mon score sur le dinosaure que j'ai partagé dans Blabla jeu de vidéo. D'accord. J'irai voir. Je prends mon job, un radio coke, un café. Ouais, je me souviens pas du tout quand il le fait. C'est quoi ce game? Salut Izumi, ce game, il s'appelle The Sinking City. C'est un jeu d'investigation où il y a un peu d'action quand même et des trucs bien chelous qui se passent. Une ambiance léchée. Des petits problèmes techniques par-ci par-là, mais rien de bien méchant. C'est complètement basé sur l'univers Lovecraft. Et c'est même très bien fait d'ailleurs. Voilà. Grant, il était là, hein, je crois, hein, si je dis pas de conneries. Petit portoricain. Bien intégré, casé, un bon New-Yorkais. Dans mon building, tout de verre et d'acier. Je prends mon job, un rail de coke, un café. Deux inconnus, aboliment, c'est différent. Oui, si, d'accord, ok. Ok. Est-ce qu'ils sont là, alors, du coup? Je sais plus du tout. Je vais remonter plutôt. J'aime pas cet endroit. Petite visite de courtoisie. Wouhou! C'est une descente de police. Je ne suis pas Charles Reed. Je suis Hector Brannon. CIA. Le but étant à chaque fois que je trouve un nom différent quand je fais ça. C'est pas facile. Attends, merde. Je retourne voir qui alors du coup? Il est où, Grant, déjà? Incroyable. Attends. Professeur Grant comme dans Jurassic Park, peut-être. Docteur Grant de l'hôpital Doc Montes. Ah, c'est l'hôpital! Mais suce-moi, putain. Suce mes pieds, bien sûr, pas autre chose. Hein. Je vois pas du tout de quoi vous parlez comme jeu là. Je sais pas du tout. Il y a pas une. Voilà, c'est là. Aveugle man. L'hôpital qui se trouve près de la charité. Hop. Ah, le dinosaure Google. Ah, il y a un jeu quand t'as pas de connexion sur le dinosaure Google. Hacker, je savais pas. Ils sont forts chez Google quand même, incroyable. Alors, le patient aux rêves étranges. Je suis allé dans le magasin de votre patient. Malheureusement, il avait mis fin à ses jours. J'aimerais pouvoir feindre la surprise. Désolé de vous avoir fait perdre votre temps. La perte n'était pas totale. J'ai trouvé de quoi faire la lumière sur l'origine de ces immondes créatures. Pour ce que ça vaut, le professeur Westerbrook les appelle les faucheurs stygiens. Mais qu'avez-vous trouvé? Le journal de votre patient. Ses rêves sont devenus trop réels, trop envahissants. Il s'est bourré de stimulants pour rester conscient, mais en vain. Ces faucheurs sont apparus à ses côtés quand il s'est endormi, comme s'il se nourrissait de ses cauchemars. Peut-être un phénomène ou une manifestation psychique. Curieux. Je crains qu'il ne soit pas le seul à souffrir de tels rêves. Non, pas trop. Enfin, moi, je me suis attaqué quand même depuis le début de l'histoire. Viens pas me sortir que c'est psychique, fils de... J'ai fouillé la maison de Bells, le matin. Sa famille s'était elle aussi transformée en une bande de monstres. Fascinant. Ouais. Avez-vous pu découvrir la source de la contamination? Une créature est sortie de leur sous-sol inondé et...
les a métamorphosés. Je pense que son vomi est contagieux. Si c'est le cas, une quarantaine s'impose. Ces revenants l'été. Il est un peu verdâtre lui aussi, hein. La ville pourrait ne pas survivre à une telle épidémie. Comment les avez-vous appelés ? Des revenants létéens. Vous pouvez remercier le professeur à l'université pour ce nom peu commode. J'ai été assez fasciné par vos études, Dr. Grant. Vous avez d'autres endroits à faire examiner ? Ce lèche-cul. Quel dévouement ! Merci. Vos recherches ont remarquablement bien servi la cause scientifique. J'ai deux autres endroits pour vous. Plus dangereux, un notamment renferme des monstres géants. Mais le jeu en vaut la chandelle. Bah oui, on veut un skin quand même. Comment ça, géant... géant, quoi ? Dans quoi est-ce que je m'embarque exactement ? L'un des plus grands magasins d'Oakmont a été fermé après l'inondation. Un pilleur a tenté de s'y introduire, mais son cambriolage a été... interrompu. Une énorme malbête lui est tombée dessus et il s'en est à peine tiré. La question est, l'immeuble étant parfaitement condamné, comment la bête est-elle entrée ? Qu'en est-il des monstres un peu plus abordables ? Moins géants. Un restaurant du quartier a une sale réputation. Elle n'est pas due à ses repas, mais aux femmes qui disparaissent. La police n'a rien trouvé. J'ai soigné le compagnon d'une des disparues. Il est arrivé ici grièvement blessé et m'a parlé de gueule bondissante. Et je suppose que lui aussi se trouvait au restaurant. Exact. Plus curieux encore, l'endroit est toujours ouvert. Allez donc enquêter et dites-moi comment tout ça est possible. Au revoir. Au revoir. Boum 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 boum. Beaucoup trop de trucs. Ça vaut le coup ce skin. On est d'accord que ça vaut le coup. Hein. Oh oui, ça vaut le coup. D'autant que... Alors, on va commencer par le truc de la tranquillou. Il se trouve... Restaurant suspect, Est Raid... Reed Heights. Est. Willow. Heralds. Et Bullock. Bullocks. Herald. Et Bullock. Attends, c'est Willow entre Herald et Bullock. C'est loin de tout ça, c'est relou. Non, je peux prendre, je vais le prendre là, je pense. Hop. Des cartouches. Oui, oui, 20 cartouches. Encore plus de cartouches. Il n'a pas, il a rien, en fait. Il n'a pas de poudre à canon, ça me sert à que dalle, du coup. Aïe. Ok, c'est où, il y a un gros monstre. Bah non, hein. Bah non, hein, je suis détective, hein, quand même, je suis pas idiot, hein. Sinon, je vais peut-être mourir, alors, mort, c'est pas ouf, hein. T'es plus à beau, bah ouais, bah, qu'est-ce qu'on fait ? Je suis désolé, hein. Désolé. Surtout qu'en plus, maintenant, on peut faire plein de trucs avec... Les dernières nouvelles à être sorties de la quand on est abonné. On n'a jamais vu, hein, y a jamais eu aucun meilleur moment que maintenant pour être abonné. Moi je dis ça, je dis rien, vous faites ce que vous voulez. Même article, qui est, je le rappelle, 7 ans et demi, mesdames et messieurs, 7 ans et demi, il trouve les moyens chaque mois, hein, de payer 5 petits euros pour s'abonner à cette chaîne. Après, voilà, vous faites ce que vous voulez, hein, gardez votre argent, bien sûr, il sera très certainement mieux utilisé ailleurs. Bon voilà, moi je dois le dire, je me dois de le dire, mais... Je ne serai peut-être pas éternel. Voilà. Et chaque petit centime. Ben voilà, me garde difficilement la tête hors de l'eau. Et puis depuis qu'on se connaît, vous et moi, j'arrive tant bien que mal à payer mon petit loyer, mon petit carton. Hein, c'est un petit carton. Alors certes, j'ai mis dans le 6ème maintenant. Mais voilà. C'est ni plus ni moins qu'un putain, carton. Incroyable. Et les cartons, ça coûte cher. Voilà. Et je dois manger de la pâtée pour chat. Et même mon chat n'a pas droit à cette pâtée, pour vous dire, ma vie est minable, mes amis, ma vie est minable. Donc voilà, si vous pouvez m'aider, surtout pour mon chat, mon petit minou, on est tout mignon. Pensez à elle. Merci Dork, par exemple. Voilà, ça va droit au cœur. Merci pour Radus. Merci pour lui. C'est tellement la S que son canapé, c'est des palettes, et ça c'est vrai. Je ne possède pas, pour te dire, je ne possède pas de sommier. Mon sommier est en...
La récup, je l'ai trouvé dans la rue. Finalement, rien. Tu vois ça ? Ça, en fait, c'est exactement ma chambre, finalement. Là, vous voyez pas, parce qu'il y a un fond vert. Mais juste derrière le fond vert, c'est la rue. Là, les gens passent, j'entends un mec pisser, là, derrière. Vous l'entendez pas ? Non, ça marche pas. Ok, c'est ici ou pas ? Non, c'est pas là. Coucou. Ah, c'est là. C'est ça, oui, c'est un restaurant. On cherche un restaurant, à la base. Bonsoir. Je vais réserver pour plus tard, je reviendrai. Très beau menu, hein. Attends, j'entends... Ouais, là, c'est ça. Oh, putain de... Ça meurt pas, ça ? Alors, qu'est-ce qu'on mange, ça ? Le restaurant Conte Golino s'apprête à rouvrir ses portes. Nous recherchons des plongeurs, des cuisiniers et du personnel de salle. Toute personne intéressée est invitée à se présenter au Conte Golino pour un entretien avec le chef Armand Meyers. Super. Gros accueil en tout cas, je vois que... Alors... Pardon ? Il m'a fait un petit mouvement, genre... Qu'est-ce qu'il que va ? J'ai marché sur un truc mou... Ah, ma cheville. Moins 30% d'HP. Comme ça, gratos. Yes. Le plaisir, toujours. Alors c'est pas grave parce que de toute façon les kits en vrai c'est le truc le plus con à crafter et à chaque fois on est bourré de... On est censé prendre beaucoup plus mal, beaucoup plus cher tout le temps j'ai l'impression. Parce que à chaque fois on peut faire 14 000 kits de soins et on s'en sert quasiment jamais. Comparé au reste. Sans fond vert récupéré sur un drapeau de la Saint-Etienne, voilà. Tout s'explique. Et du coup évidemment vu que la Saint-Etienne voilà, c'est pas trop... Hein, les Lyonnais le portent pas trop dans leur cœur en général, bah, je me fais taper tous les soirs. Voilà, après le stream, ils attendent derrière. Tabasser comme ça dans les côtes, bim bim bim. Là où ça se voit pas, bien sûr, ils sont pas cons. Ah, c'est pas con, Lyonnais, hein. Lyonnais est méchant, mais pas con. Cher monsieur Throgmorton, c'est avec grand plaisir que je vous invite à une dégustation de mets divers et exquis. Putain, la liaison est dégueulasse, mais c'est comme ça. Celle-ci aura lieu au restaurant Conte Golino dans exactement 2 semaines. Il s'agit là d'un événement privé auquel seuls les individus les plus honorables, tels que vous, monsieur VIP, seront invités. J'espère vous y retrouver. Bien cordialement. Ah ! Meyers. El jefe. Le Conte Golino. Golino. Je vois. Un marteau. Avec de la peinture rouge. Le sang est encore frais. Je vois. Du sang, ouais. Non, j'aurais dit du ketchup, moi. Éventuellement, c'est un... Ou la sauce tomate, puisqu'on est clairement dans un... Putain, incroyable. Restaurant italien. Merci, Gooseberry. Mais je déconne, hein. J'espère que... Ouais, de toute façon, tu le sais, bien évidemment. Je suis bon comédien, mais... Vous commencez à me connaître maintenant, c'est bon. Je ne vous ai plus à chaque fois. Yes. Merci beaucoup. 11 mois. Bientôt, non. Disparition mystérieuse. La police s'intéresse à la disparition de plusieurs jeunes femmes à Advent. Advent. Mais non, avant. Avant, c'est le nom de la ville de All Boy. C'est pour ça que je me fais avant. Advent. Des témoins racontent qu'ils ont vu les victimes se rendre au restaurant Conte Golino. Mais l'enquête n'a rien avéré d'illégal. Le chef cuisinier Armand Meyers refute toute accusation de comportement inapproprié. C'est pas moi. C'est faux, j'utilise pas du tout les gens pour les mettre dans ma soupe et dans mon risotto. Non, j'ai pas fait un risotto avec Madame Juliette. Non. C'est faux. Plutôt sous beaucoup. La porte refuse de bouger. Donc il faut trouver une clé quelque part. Où donc trouver cette clef ?
Ils ont dessiné un pentagramme dans le feu, c'est sérieux? Putain, il brûle très fort hein, quand même dans ton feu. Incroyable. Non, y a pas de souci, y a aucun souci, Gooseberry. Pas grave, c'est juste pas. Voilà, je pensais qu'on était amis, c'est tout, y a pas de souci. Un problème. Ah, bah oui, on peut descendre comme ça, tout simplement. Ah non, mais je vais mourir! La dernière fois que j'ai fait ça, je suis mort comme un gros caca! Yes, non? Alors attends. comment je peux. Attends, si, je vais le tenter. Ouais, c'est bon, quand même, faut pas déconner. Alors juste, je vais peut-être me crafter des choses. Ouais, parfait. Ok, et là, pour un canon. Alors les. C'est ça, quand tu fais du revolver, tu peux faire des trucs pour la mitraillette aussi. C'est les mêmes compos. Ouais, je fais des descentes de police, mais dès que j'ai une porte fermée, il n'y a plus personne. Si, en vrai, on peut péter certains cadenas et tout, mais ouais. Plutôt inhabituel comme ustensile de cuisine. Oh, tu sais pas. Et ton gibier bouge encore. En vrai. Recette de chair humaine, préchauffer le four à 180°, découper la chair de la hanche de la jeune femme en tranches de 100 grammes, puis marteler-les jusqu'à ce qu'elles aient 1 cm d'épaisseur. Saupoudrer de poivre noir, poser sur chaque steak une tranche de fromage, quelques feuilles de sauge, deux rondelles de prosciutto, enrouler le tout. Faites chauffer de l'huile dans une grande poêle sur un feu moyen fort. Saisissez le roulage sur le feu. J'espère que cette recette saura satisfaire le palais de mes nouveaux clients. Waouh! Dans mon bise, pas de rival. Je suis docteur Hannibal. Ah! Mes chers clients, je vous présente mon dernier mets. Je vous en prie, mais ménagez votre appétit et prenez votre temps. Vous serez toujours les premiers chez moi. Je suis machiavélique. Anthropophagie, j'ai toujours su que rien n'égalerait mes plats. Ceux qui goûtent à la chair humaine en veulent toujours plus. Il est difficile de trouver assez de viande pour mes clients. Ils passent tout leur temps au sous-sol en me suppliant de les nourrir. Aujourd'hui, je me suis rendu et j'ai vu que le corps de mes clients avait changé, qu'ils avaient évolué pour consommer encore davantage de ma viande. Ils aiment ma cuisine, les salauds. Je ne peux pas les décevoir. Je dois publier d'autres annonces dans l'Oakmont Chronicle. Je manque d'argent. Je vais devoir trouver un nouveau client riche pour faire prospérer mon affaire. Ça, c'est voyant quand même, c'est voyant. Hein. C'est légèrement voyant quand même, comme bise. Mais t'as raison de tester. Et tu vas me faire croire que les flics n'ont rien vu. Les flics, on leur a filé une pizza, ils ont fait oh, trop fait. Pourquoi on vient là, Michel, déjà? Moi, je sais plus. En tout cas, super bonne la trois fromages là. Oh, ça, tu l'as dit. Yes. Waouh, la police. Les meilleurs. On travaille qu'avec les meilleurs ici, apparemment. Ouf! Non, il y avait. Ah, si, quand même. Il y avait des trucs bien dedans.
La petite manette qui fait plaisir, on sortit. Boum boum boum. I want you in my room. Des ghouls, oui, des ghouls. Mais ils étaient pas ouf, ils étaient un peu nuls, ils étaient un peu nazes, ghouls. Ghouls. Non, marche pas. Ah, c'est terrible, messieurs-dames. Il essaye, hein, il tryhard les vannes, mais ça ne veut pas. Et pourtant, voilà, il y a la technique, mais ça ne paye pas, zéro réussite. West Reed Rice, attends, magasin fermé, c'est le magasin, c'est là où il y a les gros trucs, hein. West Reed Heights, donc c'est là-bas. Entre Bourbon Reed et Sam habite. Bourbon Reed et Yellow King Avenue. Dis donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, Sam et Bourbon. Quoi, attends? Sam. Ah, c'est là. Mets du temps sur celui-là. Le sud, là-bas. Sauron approved. Ici, on rigoule. Ouais, pas mal. Elle est mieux que la mienne. J'avoue, là, pour le coup, Radius, bien. Ah, j'ai retrouvé un doigt dans ma 4 fromages. toujours le petit mot pour rire. Toujours le petit wad pour rire. Comment il sait que j'adore les doigts? Le sait, mais je sais pas, j'ai jamais dit pourtant. Ouais, il est fort, hein. Ah, j'adore ça, moi. Ce que je préfère, c'est la deuxième phalange. C'est comme un bon cigare. Le premier tiers, pas fou. Deuxième tiers, c'est divin. Et le dernier tiers, oh, c'est poubelle. Donc la deuxième phalange, celle du milieu, c'est la meilleure. L'expression un petit pouce dans le cul prend tout une seconde d'ignorance. Petit doigt dans le cul. Ouais, non. C'est sûr. Poum, donc là, on est censé buter un gros truc maintenant. Hein. Je gère. Regardez, messieurs, dames, apparemment, on va devoir taper un gros truc. Je pense que ça doit être le comment ça s'appelle le... Un truc patoun là. Oui, il l'a appris tout à l'heure. C'est Dark qui avait trouvé ça tout à l'heure. Attends, je vais remonter. J'ai trouvé ça pas mal. Hérocorp, gnagnagna. Le boss caché, c'est un tube aloe vera. Il s'auto-dégrade direct. Merde. Le poutrier. Non, c'est flippant les vrais Pokémon. Moi, ça... Ah, mais c'était par là, non? Bourtipat. Un Bourtipat. J'aime bien. Je me balade avec ma carabine. Qu'est-ce qu'il y a? Il est complètement fou! Mais non, je veux pas. Putain, on dirait Le Pen! N'est-ce pas? Il est complètement fou, n'est-ce pas? Des étrangers! Qui menace notre travail, nos familles, n'est-ce pas? Putain, mais oui, c'est ça en fait, les hommes poissons, c'est des putains de fachos, c'est les descendants de Le Pen en vrai. Au secours! Jeanne, au secours! Alors. Ouais, effectivement, le H, ça veut juste dire. Tu peux rentrer dedans. C'est ça que ça veut dire. Alors là, mesdames et messieurs, là on va. Non, après j'ai beaucoup de. Oh, direct! Alors. Il y a un mec qui a l'air de kiffer sa life. Oh! Ça ne marchera absolument pas sur lui. Garantie, les amis. Alors.
Mais non, bien sûr, il est en dessous. La poudre à caca, la poudre à caca, non. C'est vraiment ça qui est le plus bon. Il se déplace beaucoup quand même. Hein. Il serait pas en train de monter là. Oh, il s'est pris mon piège! Il s'est pris mon piège! Oh putain! Oh, il s'en bat les couilles! Il s'en bat les couilles du piège! C'est incroyable! Wow! Deux pièges, deux balles de fusil! Po, po, po! Nice! Putain, ça fait mal les pièges en vrai! Et lui, il a explosé. Alors, boostipat, qui peut te pat. Bon, ouais, c'était facile. J'ai pas du tout flippé. Hein. J'avais la situation... je contrôlais, absolument. De A à Z, de l'alpha à l'oméga, je contrôlais. Attends, y'en a peut-être d'autres. Peut-être deux petits connards, là, qui vont pop, c'est obligé. Moi aussi, je peux le faire le bruit, attends. Regarde, rien. Je te fais le bruit. Yes, moi aussi, hein, ça va. La mère féconde dévore la chair faible. La mère féconde donne une nouvelle vie à ceux qu'elle a consommés. Une nouvelle naissance en de nombreuses formes. La mère féconde a beaucoup d'enfants et sa famille ne cesse de croître. La mère féconde, dans sa bonté, accepte quiconque comme son enfant. Mais les mauvais sont rejetés et laissés seuls dans la lumière froide. Gardez les secrets de votre mère. Elle vous offrira l'immortalité. Mais wesh, comment tu parles de ma mère, toi? Sparta! Tu parles pas de ma mère, toi! Cette substance putride est partout. Je vais prendre un échantillon et la porter au Dr. Grant. C'est où les rejetons de Shub-Niggurath? C'est quand qu'on tombe dessus? J'avais pas vu, tout simplement. Les petits logos partout. Le son passe de gauche à droite quand tu pars. Oui, c'était fait exprès. Bien joué. Bien joué, Yuki. Tu connaissais pas? C'est le son binaural. Attends, je vous dis, je suis un professionnel du divertissement. Attention, ça commence vraiment. Là, vous me retrouvez. Ah putain, c'est vraiment ça. Hein. Ça ressemble vraiment à ça, le truc de Shub-Niggurath. En vrai, je crois que ça ressemble clairement à ça. Choub ni gougou. Choub choub daoup. J'ai pas trop fini de. Attends. Des morceaux de métal pour se merder, hein. Et ressort. Inventaire, on peut crafter quoi? Ouais.
manque des trucs là. Il manque des trucs que j'ai pas. Que j'ai pas checké. Oh, les petits trains. Les petits chouchous trains. Tiroir de lit, mais y'a pas de tiroir de lit. Non, c'est des boules de lumière reflétée. Voilà. Ah, ces sacs puent encore plus qu'un tonneau de poisson pourri. Ou de pesque pourri. Enfin bref. Néophyte, la mère féconde te bénit. Ton service a été remarqué. Tu vas avoir la chance de rejoindre le cercle des initiés et d'admirer la mère de tes propres yeux. Nos frères transportent le corps de ces enfants abandonnés. Pour prouver ta valeur, prépare un endroit où ils pourront être cachés et oubliés à jamais. En retour, la mère féconde te fera grâce de son étreinte. Elle t'offrira ses dons généreux. Vite, à l'intérieur, avant que les voisins voient. Il reste que cela. J'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. Alors, quand est-ce que mon initiation aura lieu? Il y en a en bas, est-ce qu'il y en a en haut? Non. Bon, ça va être straightforward, je pense. Je suis descendu tout à l'heure, hein? Oui. Oui, non, mais c'est bon, stop. Voyons voir ce qu'on a ici. Voilà, sacré partout, hein. Ouh. Vite, à l'intérieur, avant que... J'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. Alors, quand est-ce que mon initiation aura lieu? Les partous de... Stop, stop, c'est bon, stop, stop, c'est bon, c'est relou. Voilà, merci. Les membres de la secte jetaient des corps dans le sous-sol du magasin. J'ignore comment, mais les dépouilles ont fusionné pour former une énorme horreur. Ah, c'est bon, voilà. Stranger Things. Non, rien inventé. Que dalle. Zéro. Nul. Les partous de l'ambassadrice sont toujours un succès. La mère féconde. Assez s'y prendre. Je crois que je vais faire le collectionneur. Collectionneur. Ça on s'en fout, ça on s'en fout. Poche sans fond, pour l'instant on s'en branle. Ça on s'en fout aussi. Permet de recharger Reveler plus rapidement. Améliore la coordination couvert 10% chance d'afficher deux fois plus de dégâts avec le Reveler. Ça pourrait être pas mal. En vrai le Reveler c'est pas si mal. Au moins les balles sont facilement craftables. Comparé au reste. Non mais aptitude ça va partir là-dessus hein, pour l'instant. Hop. Et on se tire. Voilà. Oula. Rare blague, ouais. L'onomatopée, finalement, t'as l'impression que ça se prononce rare blague, mais non. C'est quand même l'onomatopée la plus longue du monde. Et elle est moins bien doublée, aussi. Attends, j'ai tout fait, hein. Ouais, j'ai tout fait. Allez. Le médecin de peste. Le médecin de peste. C'est parti, là, j'y crois un meurt. J'y crois un meurt. Je vais nous dire... Bon, en fait, j'ai oublié de vous dire... si vous êtes chaud et que vous voulez aider encore la science... voilà, vous avez vu, j'ai dit, il y a une créature énorme, mais je pense qu'il y en a une plus grosse encore. J'ai inspecté cet infâme restaurant. Je le qualifierais bien de trou infernal, mais ce serait insulter le diable. Que s'est-il passé? Punchline man. Le cuisinier était cinglé. C'est un cannibale qui donne de la chair humaine aux monstres. Il les appelait ses clients. Ce restaurant était autrefois prisé par l'élite d'Oakmont, et nombreux sont ceux qui y ont disparu après l'inondation. Nous savons désormais pourquoi.
Pensez-vous que c'est le cannibalisme qui est à l'origine de cette horrible transformation ? Hélas, ces jours-ci, le cannibalisme n'est pas si rare. Se pourrait-il que les cochitifs, comme Westerbrook les appelle, étaient jadis humains ? Les cochitifs provenant de Chicoutimi ? De la région de Chicoutimi, les cochitifs ? Peut-être, je sais pas. J'ai fouillé le vieux magasin dont vous avez parlé, et j'ai trouvé des éléments intéressants. J'ai même rapporté un échantillon. Qu'avez-vous découvert ? J'étais certain qu'un monstre géant n'aurait jamais pu y entrer sans se faire remarquer. Le culte de la mère féconde se débarrassait des corps de ses victimes dans le sous-sol du magasin. Les recherches du professeur Westerbrook suggèrent bel et bien que les Acherontiques sont attirés par les dépouilles. Non. Ce monstre était formé de corps. Et une substance gluante et putride recouvrait toutes les surfaces. Peut-être quelle était la cause de sa transformation ? Vous avez parlé d'un échantillon. Je peux mener quelques expériences sur des rats. Si votre théorie est vraie, il s'agit d'une formidable découverte. Oui, on partit en couille. Hein. Qu'allez-vous faire de cette découverte ? Ce que nous avons découvert au sujet des malbêtes fait froid dans le dos. Qu'allez-vous faire de ces informations ? J'ai déjà contacté l'université. Nous travaillerons de concert avec eux pour étudier ces phénomènes. Ces informations doivent être relayées à la police. Ils doivent savoir ce à quoi ils ont affaire. Tout à fait. Quand nous aurons bien documenté nos résultats et qu'ils auront fait l'objet d'une évaluation conforme, les mesures adéquates seront mises en place. Ça fait beaucoup de mais aussi. Documenter nos résultats ? Évaluation conforme ? Combien d'innocents mourront d'ici là ? Nos recommandations doivent être claires et fondées sur un argument raisonnable, sans quoi elles seraient inutiles. La science avance à son rythme, mon ami. Au revoir. Yeah ! Salut ! C'est bon, on l'a chopé ! Oui ! Attendez, attendez. Il pue de l'escargot de ouf. On m'en bat les couilles, on a notre skin. Ah, ça a pas pris trop de temps finalement. Le skin spécial, oui. C'est le meilleur. Le reste, on s'en bat les steakos. Ça se trouve, il y aura un moyen de revenir dans les saves et de finir ce qui nous est resté à finir, peut-être, je sais pas. Devil's Reef. Salut les pécores, merci, au revoir. Bim. Et là, mon gars, je me fais peur tout seul. Hell fucking yeah! Oh yeah. En vrai, ça défonce comme déguisement pour Halloween, ça. Oh, tu crèves de chaud, mais putain, c'est trop stylé. La petite collerette en cuir, là. Bim. Oh, trop la classe. Oh là là, je suis le meilleur des détectives. Je suis le meilleur. De toute façon, je suis d'accord. Hein. Quand il n'y a pas une crise cosmique, de c'est quoi ? Chichi, c'est qui Chichi ? Ah, Chineur, des bisous. J'ai l'urk. Bon l'urk. Maintenant, on veut le cosplay. Bah, écoute. Malheureusement, je suis très nul en couture. Et encore plus en travail du cuir. Moi, j'étais enchanteur herboriste. Hein. Bon, j'étais pas en travail du cuir. Il est quelle heure ? Je crois qu'on va faire une petite pause là et du coup on va continuer là. Maintenant qu'on a le skin, on va pouvoir continuer l'histoire principale. Qu'en penses-tu, YouTube ? Je te dis à bientôt, je te dis à la prochaine, dans la prochaine vidéo. Salut à toi. Ces doigts sont énormes. Regarde ça. C'est ça ? Non, c'est quel doigt ? Ah, j'arrive pas à le bouger. Attends, c'est le pouce gauche. Ok, trop super, on s'en fout. Des bisous, à bientôt. Salut ! Ah merde, salut !